Duplex Eric Camgon, CEO et co-founder de Studéli. Studéli, c'est le premier service financier dédié aux étudiants en mobilité internationale. Nous permettons aux étudiants étrangers, depuis leur pays d'origine, d'obtenir un ensemble de produits et de services dont ils ont besoin pour obtenir leur visa et faciliter leur intégration dans le pays d'accueil. J'identifie trois freins à l'entrepreneuriat de la diversité. Le premier, c'est le manque de visibilité des rôles modèles et mentors. Les jeunes qui veulent entreprendre de la diaspora ou issus de la diversité n'ont pas de référence aujourd'hui, n'ont pas assez de références aujourd'hui présentes dans l'univers médiatique. Le deuxième, c'est l'accès à l'information parce qu'ils n'ont pas justement assez, du moins des endroits où ils peuvent retrouver une information qui peut leur être utile. Le troisième point pour moi, qui est le problème de tout le monde, je pense, l'accès au financement qui manque réellement à ces entrepreneurs. Aujourd'hui, en Afrique ou bien dans la diaspora, il est plus facile de trouver des montants beaucoup plus élevés, à savoir plus de 500 000 euros, que de trouver un montant de 20 000 euros ou 10 000 euros pour lancer son projet. Rêver, oser et exécuter son projet. Rendez-vous le 17 décembre à l'événement organisé par le Conseil présidentiel pour l'Afrique sur la page Facebook du CPA en live.